Choose your character! Oh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir et aujourd'hui on se retrouve sur un autre épisode sur Destroyer Romance 2, la version PS2 sur PS4, voilà. Alors juste, je vais faire juste une petite synchro micro parce que je suis pas sûr que mon synchro audio marche. Alors attendez, je vais aller dans les options. Merci la mise à jour Fall Guys qui a pile poil à ce moment là. Écoute, bon, ça peut être... Alors attendez, je recommence. 1, 2, 3, clic. 1, 2, 3, clic. Voilà, c'est bon, excusez-moi. C'était une petite synchro, excusez-moi. Voilà, alors dernier épisode, je sais plus ce qui s'est passé. On avait protégé Natalia. Et puis c'est tout. Et puis voilà, la suite, écoutez, si vous voulez un meilleur résumé, je vous conseille de regarder directement l'épisode précédent. Voilà, alors là, une petite quête annexe, mais là, on s'en bat les steaks. On va directement faire la quête principale. Oh, j'ai plus beaucoup. Pourquoi j'ai pas beaucoup de munitions dans mon désintégrateur, moi? C'est pas normal, cette histoire. Attendez, excusez-moi, je reprends un peu de munitions, parce que là, ça rien ne va plus. D'accord, ok, ça, c'est des munitions de ça, mais je m'en... De sonde anale, mais bon, voilà. Voilà. Oh, attendez, il y a une petite cellule furotech qui traîne là-bas. J'ai vu que ça brille en vert. On va prendre ça, voilà. Ah, le banc, voilà, un banc public. Voilà, comme ça, le banc, on a fait des cochonneries avec le banc. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh là là. Oupula. Et attendez, on va monter sur le toit là. Parce que je me demande s'il n'y a pas une petite cellule furotech. Mais oui. Parce qu'il y a toujours des cellules furotech dans les hauteurs des gratte-ciel. Regardez maintenant que j'augmente les jetpacks. Bah, comment je peux aller haut? Regardez, je peux même attraper celui-là qui est tout là-bas. Attendez, j'étais pas censé faire la mission principale. Oups, excusez-moi, je digresse. Oh là là, oula, il y a eu un problème de texture où pendant un moment. Il y a un immeuble qui a disparu, il a fait. Ou c'est moi? Enfin, il a fait une moitié de. Merde. Oh, j'arrive plus à faire le. Oh, j'ai eu du mal à faire le. Attendez, par contre, elle est où la mission? Elle est là. Ah, voilà, on va parler à Holopox, bien évidemment. Personne peut nous voir. Bon, on est à moitié caché. Un peu, mais pas vraiment. Mais on est à moitié caché. Oh, ça me rappelle qu'on n'a pas fait de blague encore de blague téléphonique. Hey, Holopoxy, long time no see. Where you been? Oh, that's right. Listen, Crypto, I haven't time for your jive talking. We've business to attend to. Alors, du pain complet ou alors c'est du pain en grain? Comment? C'est quel genre de pain? Parce qu'il passe sur la planche. Demande des infos sur Takashima. Takashima, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. You'd better not start singing about chess. I did notice some unique plant life beyond the Zen temple. Dénigrer la vie végétale, plaisanter au sujet des humains. Yeah, well, if it's a plant, I'm sure the monkeys have figured out how to smoke. Oh, c'est un peu vrai quand même. It's no laughing matter, Crypto. It seems to be causing them to lose their furonity. Leur furonitude. Wait a second. You mean? Exactly. It's degrading the furon DNA in their genes. Ah bah non, on a besoin de l'ADN pour faire des gros zizi. Coincidence? Pour les furons. I don't think so. Agacé Pox, parler des affaires. Oh, j'aime bien un petit peu le titiller, le Pox, hein. Et ça n'a aucune allusion sexuelle, bien évidemment. You don't have a mothership. Hell, you don't even have a hand to slap me with. Don't cross me, Crypto. I'm still your superior officer. And I have friends in high places. Wow, des amis, c'est bien placé. Quand on a fait la... Rappelez-vous-en, il y a quelques épisodes de ça, la quête annexe la plus dure du jeu, qu'on a toujours pas fini, on l'a pas réussi, mais je vous l'ai montré. Il parlait, moi pendant le montage, je pouvais lire enfin ce qu'il disait, Pox. Il demandait quand même qu'on lui envoie un vaisseau mère, mais tout le monde déjà le connaissait pas, Pox, dans la galaxie. C'était un peu compliqué, ses supérieurs se foutaient de sa gueule. Alors, Pox, tu vas pas me la faire. Alors, se moquer de son incorporalité, ça veut dire qu'il n'y a plus de corps, ou se protester contre sa suffisance. J'adore les deux mots. Ça fait très très intelligent. Je sais pas comprendre. Allez, on va arrêter les blagues sur le physique, est-ce qu'à un moment ça va bien.
If you have so many friends in high places, how come they ain't sent us another mothership? Effectivement. That ship will be here very soon, and I call Top Bunk. Ha! If I don't make you another clone body, you're not getting any bunk. So there. Alors rappelez-vous qu'on est mort quand même dans un épisode, je sais plus lequel, et parce que j'ai fait une connerie, je crois, encore de toute façon, je fais que des conneries, des fails. Et du coup on est là, c'est pas Crypto 138, mais c'est Crypto 139 que nous avons en face de nous. C'était un clone. Alors parle pour toi, Crypto. Okay, what kind of business? Risky, shady. Oh, il fait la même blague que moi sur les différents pains, j'adore. Well, not yet. I need you to investigate something of the highest importance. I'm picking up an unlicensed radio transmission coming from somewhere. Chaque fois que je vois le Pox 3D, ça me montre à quel point ça vieillit quand même le jeu. Quelle base? Encore la radio pirate? Ah! La radio pirate, on l'avait fait dans un épisode ou pas? Parce que je me rappelle que j'en avais eu fait dans une mission annexe à Albion, mais je sais que ça, je l'avais pas enregistré. On va faire quelle base? Je me souviens plus si on l'avait fait. The white ninja cult who are broadcasting the message. Oh, la ninja blanc! Moi, j'aime bien les ninjas blancs. Même j'aime bien les ninjas bleus blancs, oui. Ninjas again. C'est pas drôle. Hello, it's 1969. What are ninjas doing? C'est quoi ce jeu? Bah justement, c'est quoi ce jeu? Go with it. Besides, who doesn't love ninjas? Bah ouais, hein. Comme j'ai dit, regarde Naruto. Okay, let's do this thing. How do I start? I have marked a radio on your navigation map. Get a disguise, find the radio, and flip through the stations until you hear the White Ninja broadcast. Then listen for a clue as to the whereabouts of the White Ninja base. Alors perso, je l'ai montré je crois dans l'épisode où on explorait Takoshima. On sait où c'est, je sais où c'est pas compliqué. Oh oui! Des collégiennes! Attendez, mademoiselle, je veux vous rentrer en vous. Attendez, oh là! N'y voyez aucune lésion sexuelle, hein, c'est juste que je veux rentrer dans votre cerveau! Attendez, il m'a marqué un truc sur la carte. Alors, ok, on va aller sur la map. Oh, regardez-moi cette petite collégienne! Oh là là! Oh mon dieu, attention, ça y est! Je suis diffusé au Japon, il manque plus que les tentacules et ça y est, je suis tendance au Japon sur YouTube. Ça parle mal. Oh, par contre, la tenue de cette demoiselle en rouge, elle est pas mal. J'aime bien. Oula. Ah, il faut regarder les stations. Time again for the number one radio show in Takoshima. Takoshima Top 50. I am a host, Kiyoshi Kaisen. Oula, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai été éjecté. With oral magnificence. There are many imitators, yet only one. Encore une collégienne, parce que pourquoi pas. Takoshima Top 50. Bon alors, c'est pas celle-là apparemment. Je sais plus c'est laquelle, c'est la triangle, alors on va faire la ronde parce que je veux écouter les autres. Ah non, bah j'ai fait le bon. Listening to White Ninja Pirate Radio. We have calculated exact moment we need to launch ourselves and alien artifacts at Furon ship traveling in tail of Bill. Voilà, ils connaissent le truc de les Furons, comment ça se fait ça? Final preparations. It's all happening. Ok, bon, on a capté en tout cas la radio. Radio Ninja, je vous écoute. Another radio to the east. I've marked it on your map. Je vais faire une blague pour les flics, mais j'ai pas. Ce monde n'est que confusion. J'aime bien les doublages, les comédiens de doublage anglais. Mais le problème, c'est que c'est un jeu, comme c'est un jeu avec le monde ouvert et qu'il y a beaucoup de parlotes, et des fois que Pox il te parle pendant une mission, que c'est le bordel et que tu peux pas lire en même temps que tu fais la mission. Je parle justement pour la mission. Oh, il y a un petit truc rouge là. C'est un artefact. Je parle justement de la mission de la quête Adex super dure où Pox parle pendant des heures. Oula merde! Ah, je suis ninja. Je suis allé chez ninja. Merde. Ninja noir. D'accord. Est-ce que je peux le. Allez! 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 Oui! Ah, ça y est, je suis bon, je suis rentré. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je suis coupé moi-même. Enfin, c'est Ninja qui m'a coupé et je parle pas de son katana. le problème, c'est que quand c'est comme ça, ben en fait, c'est bien d'avoir plutôt des comédiens de français. Comme ça, tu peux faire la mission et entendre ce qu'ils disent en français. C'est beaucoup mieux. Ben là, on a trouvé la radio, du coup, maintenant on sait que c'est la 2032.5. You are
Si vous la notez. Les flics contre les ninjas noirs. Le retour au cinéma le 25 janvier 2022. Enfin, quand les cinémas seront ouverts, j'espère d'ici là. Mais non, mais... Bon, il est mort, d'accord, merci les ninjas. C'est bizarre quand même que les ninjas noirs, D'accord, ils tuent les témoins, c'est bon. C'est quand même bizarre que les ninjas noirs écoutent les ninjas, les ninjas... Merde. Que les ninjas noirs écoutent la radio des ninjas blancs, quand même. Oh non! Merde! Oh là, je vais mourir! Oh putain, merde! Voilà, j'ai fait la connerie là de faire des conneries. Oula! On reprend un ninja noir. Ok, bah je suis là, merde. Est-ce que j'ai fait le con? Et s'il y avait une putain de mitrailleuse? Mais attends, et si je fais ça? Bah, pourquoi tu peux pas? Alors attends, parce que je peux pas porter ça. D'accord, il s'est bugué, d'accord, c'est magnifique. J'adore le jeu, j'adore le jeu, j'adore le jeu. Alors attendez, on va faire ça. Ils sont bien coincés dans... Hop, voilà. Voilà. Bon, il a... C'est très très bien. Voilà, on va y arriver enfin. Excusez-moi. C'est compliqué. Ah, c'est de l'autre côté. Pas mal la musique, mais attendez, je voudrais... Comment je peux pas... Ah, wow, putain, à cette distance, je suis obligé d'appuyer sur le bouton à cette distance, mais c'est normal, c'est logique. You're listening to White Ninja Pilot Radio. And just in case all you White Ninja have forgotten where you live, White Ninja Compound is down behind Zen Temple. You cannot miss it. Ah, bah, magnifique, une petite cellule. And if you think that's clumsy exposition, you ain't just whistling Dixie, pal. Now, on with countdown. J'aime bien le ninja. Oui, bah, je le dis à tout le monde où est notre base, mais bon, ma merde. On dirait moi quoi. Magnifique, j'adore ce ninja blanc. C'est mes copains les ninja blancs. Allez à la base ninja blanc. Oui, je sais, on y va, c'est derrière le temple zen. Alors c'est con parce que sur la carte ils disent que le temple zen est là. Qu'il l'a, mais en fait c'est là. Par contre, vous remarquerez que la carte est un peu conne. Pardon, excusez-moi monsieur. Mais pardon, excusez-moi monsieur. Mais s'il vous plaît, restez pas là. Comment il m'a. Ah, il m'a bouché le chemin, quoi. Ils sont chiants, les gens, hein. Hop, c'est bon. Oh putain, les ninjas blancs qui se. Attendez, je vais vous sauver, les ninjas blancs. Dégage. Dégage. Il faudrait parler au chef du ninja blanc. Ah bah je peux abandonner le déguisement pour parler. Yes. Vous remarquerez que mon pied est toujours pas remis à recharger parce que j'étais dans un camp. Il y a le soldat qui est derrière qui se demande mais qu'est-ce que je fous avec des ninjas blancs moi. Comment je suis arrivé là? I am Cryptosporidium of the planet Furon. Yeah, today's your lucky day, Sparky. True, you look like Furon, but how can I be sure? Well, for one thing, I could blast you monkeys back to the Muromachi period. Wanna see? Threats meaningless. You could be costume toddler with nuclear warhead for all I know. Try me. I ain't no toddler, and this ain't no costume. Perhaps. But true Furon could answer all these questions correctly. If you fail, so sorry, you must die. Then, again, if you Furon, you can clone yourself and Il connaît bien le jeu, c'est bien. Quelle est la première question? Allez, vas-y. C'est question pour un Furon. Eh, franchement, ça, c'est pas mal pour un petit épisode. Who was spiritual leader of hippies in Bay City? Alors, qui a été le chef de Bay City? Alors ça, c'est bien. C'est un jeu qui fait que c'est pour savoir si t'as suivi dans l'histoire. Alors, bien sûr, on a battu Gongwater, l'épisode numéro 4, je crois, je me semble-t-il, sur... on va botter les fesses de Gongwater, hein, voilà. I know this one, it was that wacko, Coyote Bongwater. Lucky guess. You wish, give me my spaceship fragments, pajama boy. Not so fast, I have more questions.
Allez, vous aussi chez vous, répondez aux questions pour savoir si vous avez bien suivi le let's play de Snake 54 ou si pendant que vous fassiez autre chose, vous n'avez pas du tout écouté l'histoire. Ce que je veux, ne vous en voudrais pas, parce que c'est ce que fait là totalement les gens et personne n'aime regarder mon gameplay de toute façon. Hey, I'm on a roll. Bring on the next one. Attends. Il y a personne qui regarde cette vidéo. Attends, j'ai pas écouté. Man, this hangover. I know you asked me something. C'est pas la gueule de bois, c'est juste que je suis con. Sur ce coup-là, je raconte des conneries en même temps que je parle. Which of these locations? Ah, lequel de ces endroits ne se trouve pas à Bay City? Alors, le Rock se trouve à Bay City. Le Golden Gate Park, c'est à Bay City, donc c'est le Stonewall. Stonewall Bar, ain't that on Christopher Street in the village? Not that I'd have any reason to know that. Indeed it is, and therefore not in Bay City. Impressive. Le ninja blanc, on dirait que c'est un abonné qui genre, il me rencontre IRL, il dit c'est toi, c'est Snake 54? Attends, si c'est vraiment toi, réponds à ces questions sur ta vidéo sur on s'en arrivera jamais, mais ça me fait mal d'y penser. And the hits keep coming. What's next, Sparky? Le pire, c'est que je pourrais répondre mal. Où est la cachette de Bay City? Ah bah c'est sur le Rock, ouais. Surtout que moi, si c'est un vrai abonné, si je réponds mal, il ira et que je dis ah bah en fait j'ai complètement oublié, j'ai une mémoire de super poisson rouge, là il dira ah bah c'est bon, c'est Snake 53, il n'y aura pas besoin de poser le reste des questions. I know this one. The KGB had their base on that prison. Rock, the Rock en anglais, pas le catcher. They did indeed. N'êtes pas le maillon faible, merci. All right, I played your little game. Now hand over the prize. I gotta see a chick about a chubby. Silence! I still not completely convinced of your furonity. Fine, bring it. Balance la purée. Attention, ça peut sortir de son contexte. Where cette expression. Agent Orenchov hiding out in Albion. Se cacher le rang Orenchov. Ah oui, bah alors c'est celui-là qui a muté. Dans la suite 28 du Savoy. Bibliothèque avec le chandelier, il est pas mal. Réseau de tunnel de abandonné. Rappelez-vous, en Orenchov, c'est celui-là qui s'est muté. Duh, in the abandoned tunnel network. How do you know all this stuff? T'as regardé mes let's play, c'est ça? Correct. And none of your business. Ah, tu te tripotes devant mon vidéo, hein? Cochon, mais t'as raison. Come on, come on. I ain't got all day. Then riddle me this. What happened to hipsters who came to happening? Qu'est-il arrivé aux hippies qui sont devenus aux happenings? Ils sont dansés toute la nuit, ils sont renoncés à la Rebelade, les deux. Les deux. You kidding me? They did it all, baby. They made Woodstock look like a tea party. Correct. Ouais, c'était bon, putain, j'ai vraiment cru que c'était mauvais. Pourtant, j'ai déjà fait ce questionnaire. Okay, last question, Sparky. What organization Ponsonby really in charge of? Et ils sont gentils quand même parce qu'ils auraient pu faire des questions sur le, par exemple, sur Destroy All Humans 1. Mais moi, à l'époque, j'avais eu, comme je vous l'avais dit, j'avais que acheté la première fois que j'ai joué au jeu à l'époque. Mon pote s'est sorti, j'ai acheté, je sais même plus quand, mais en tout cas, j'ai acheté il y a longtemps. Moi, j'avais pas joué à Destroy All Humans 1, j'avais fait carrément le 2 avant. Et du coup, si j'aurais été sur le 1, j'aurais été très mal. J'aurais dû regarder sur internet, mais à l'époque il n'y avait pas internet, je crois. Les 7 mercenaires, commandant du Majestic, renseignement militaire des 16. Attends, alors j'étais en train de parler, j'ai pas écouté. Ah oui, d'accord, ok, pardon, excuse-moi, je suis en train de parler à mes abonnés en même temps, excuse-moi. Ah oui, alors il fait partie du Majestic, du coup c'est un commandant du Majestic S16, ou c'est le M16. Oui. Oh baby, Majestic. Comme une arme militaire, justement. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. That's correct. Merci, écoute. Écoute, y'a pas de soucis, en même temps je fais les montages de mes vidéos, du coup je me souviens un petit peu. So, how'd I do, huh? What'd I tell you, right? Furon City, baby! Ça rime, les furons sont trop bons. Ah, pas à manger, hein. Pour autre chose. Bon, écoutez, bah, c'était question pour un furon! Et nous repartons avec les dictionnaires Larousse, un illustré. We worship you, oh Lord from beyond. Voilà, vénérer la baguette sacrée. Alien, alien. Now,
Furon est vrai. Furon, Furon. As a token of our faith, O Lord, we offer unto you our most ancient and holy artifacts, handed down from an age beyond the memory. Artifacts! Artifacts! Merci, j'aime bien quand même le artifacts. Ça vous apprend à parler anglais. Artifacts, c'est artifacts. I was kinda hoping for geisha girls. Black ninja! Apostates and unbelievers! We will fight to death in your name, O Lord. But first, we must compose our death haikus. Des haïkus de mort, bah super. Kill them all and seize their precious artifacts. Pas mal. Lui aussi, il a un beau masque et un beau chapeau. With my cult but me. Ouais, oh, touche pas, mais But they will never take our Furon. Attends, y a, je veux prendre un ninja blanc pour me protéger. C'est bon. Oh, c'est bon, ils se débrouillent trop bien. Ils ont tué tout le monde. Maybe a thousand was a little high. Let's shoot for something more realistic. Bon, c'est bon, ils ont défoncé tout le monde, les ninjas blancs. Mais ils sont trop balèzes. Par contre, je vais essayer de pas les viser, mais ça va être dur. Hein. Bon, je vais reprendre un petit peu quand même. I am not afraid of death, but on whole, I would rather avoid it. Get a move on, Furon Lord. Putain, par contre, ils sont résistants, les ninjas noirs. Voilà, oh attention, ça attaque tout le monde là. Only 10 left. How about I turn my back and let you kids just fall on your swords in shame. Ninja noir. C'est pas parce que je suis raciste du tout hein que je préfère les blancs. Hein. C'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de parce que eux ils sont plus fun. Et ils veulent pas tuer mon chef avec un joli chapeau. Attends, il est là, je l'ai vu. Oh, il s'est mis direct dans mes trucs, c'est magnifique. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est bien, j'ai un ninja garde du corps en plus, ça c'est stylé. Putain, ils sont résistants hein. Putain, allez les ninjas blancs là. If you want those gifts, you had better start kicking butt and taking names. I will keep room. Ah, c'est ça, enfuis-toi, ouais. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon, il en reste encore plein. Hein. C'est con, il devrait faire qu'on tue les derniers, quoi. Yippee. And now, in honor of this mythic triumph, a victory haiku. Steel glints in sunlight, limbs go flying, bathed in blood, Tarantino-esque. Catchy. Don't suppose you got a haiku describing any super secret KGB bases hidden around here. We do. Secret hidden base put there by the KGB. Where the hell do you go? Our spiritual leader, Dr. Go, might be able to guide you to enlightenment and secret base. But I'm afraid Dr. Go has been kidnapped. I'm not kidnapping, I'm a super. Why? KGB! Natch, okay, time to find the good doctor. Docteur Go, je pense que ça va être une référence à. There's a mothership fragment nearby. À James Bond, ça. Check your radar. Ah bah voilà, super. Orthopox, il a dit quelque chose, mais j'ai pas vu. J'ai pas. Ah, en tout cas, pour récupérer l'artefact. Bon, ça veut sûrement se dire. Il a entendu l'artefact, il veut dire quoi. Détonateur à ions. Oui, le détonateur à ions. Voilà, bah c'est un lance-grenade, hein, en gros, on le connaît bien, on l'avait dans le remake. Alors attendez, je sais plus du tout mes touches, ah si. Voilà, le détonateur rayon, oui, il est là, regardez-moi ça, il est rouge, il est gros, il est majestueux, et il tire des... Voilà, par contre, on n'a pas comme dans... Oula, merde. Écartez-vous, les gars, ça va exploser. J'ai appuyé parce que oui, ça a blessé personne. Bon voilà, j'ai utilisé toutes les munitions direct du début. Voilà, c'était pour vous montrer. Bon par contre, il n'y a pas comme dans le remake le petit arc de cercle qui vous montre où vous allez tirer avec jusqu'à où va la grenade. Ça c'est chiant.
par contre ça c'est sûr, je vous avoue. Bon bah c'est parti, alors attendez, on en a combien? Oh bah j'ai récupéré toutes les munitions, voilà c'est très bien. On en a combien? Oula oui ça fait bon, on va s'arrêter là, c'est en plus c'était bien, c'est un épisode spécial à question pour Afuron. On va peut-être aller faire une petite quête annexe parce que ouais ça fait un petit peu longtemps qu'on a pas fait de quête annexe j'ai l'impression. Je dis ça, ça se trouve c'est on l'a fait mais il me semble pas. Ah mais ça a débloqué aussi l'arc, la sec Darkwood juste à côté. Ah mais merde, là j'ai un choix qui s'offre à moi. Non, non, on va faire la quête annexe. Voilà. Ah oui, rappelez-vous-en, c'est là qu'on avait débloqué la statue d'Arc Voodle en faisant venir des ninjas que je pouvais pas venir parce que j'avais pas encore la compétence. Mais comme ils étaient déjà là, ça a compté. Voilà, j'ai un peu bougé de jeu, j'ai un peu triché. C'est pas grave. Oh, regardez quand je tourne les côtés, tourne les cotons. C'est rigolo. Bon, alors, allons faire une quête annexe pour finir cet épisode qui, somme toute, m'a bien amusé. J'avais bien aimé les petites questions-réponses. C'était pour en même temps, ça fait un petit, ça rappelle un petit peu. Oh, j'ai pas beaucoup de boucliers sur mon. Sur mon soucoupe, c'est pas normal ça. Et en même temps, c'est bien, ça fait rappeler un petit peu les anciens les épisodes, ce qui s'est passé entre temps. Voilà, c'est bien, c'est des petits mini résumés. C'est bien, j'aime bien cet épisode, il est bien, il est à la cool, il était tranquille. On s'est battu contre des ninjas blancs contre des ninjas blancs contre une ninja noire. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors on va atterrir juste à côté. J'ai question, il y a des gens à capturer là. Ouh, il y a quelqu'un qui a eu un accident là. Ah bah je prends lui le monsieur. Alors par contre je vais devoir me déguiser. Et on n'a pas fait de blague téléphonique de Takoshima, ça va pas ça. Attendez, on va prendre cette demoiselle. Voilà. Tout de suite, on va faire une blague téléphonique parce que ce n'est pas possible. Je ne veux pas terminer cet épisode sans faire une blague téléphonique. Faire une blague sur tous les pays. Moshi moshi, Takoshima Defense Force. Do you like scary movies? Hi, you Avarin? Petite référence à Scream. Hein. Tu aimes les films d'horreur? Elle était oui, bah y a pas de souci. Alors parlons ce monsieur bien costumé. L'employé ne parlera qu'aux hommes. Ah bah bravo! Ah bravo le sexisme! J'aurais dû m'en douter, on est au Japon. Ah bah bravo! Ah bah bravo! Attendez, il y a un monsieur là avec une chemise, mon gars. Regardez-moi ça, waouh! Magnifique chemise, magnifique pull, magnifique je ne sais pas ce que c'est. Oh! Dommage aussi, c'est pareil que la musique disco ne change pas, qui peut être une musique un peu japonaise. Ça aurait été marrant, un peu en version disco. Hey. Hello, business-san. I know by your attire you have achieved prosperity. Ouais, contrairement à la mienne. You correct. I just promoted this week. I even get a new car. So shiny. Such a symbol of prosperity. Prosperity, huh? So it'd be pretty bad luck if. Eh, bol de nouilles. Is a status symbol. Ah, c'est pas drôle. I must impress boss with a prosperity so he promote me further or I fall into dishonor. So that car's like a symbol of your status, huh? Yes, is being very precious. How else am knowing I am better than oh, a blue car c'est worker? Méchant. I don't know. How about job satisfaction? You make me laugh! Don't touch my car! Ah oui, les mécanophiles, quoi. You're afraid that car defines your whole life and future, aren't you? I not need a psychoanalysis from you! Stop trying to read mind! Go away! Mais vous êtes mécanophile, monsieur, écoutez... voilà, le... C'est quand même qu'une voiture, hein. Après, c'est bien pour vous. Alors, ah oui, il faut que... Faut que je scanne, j'ai compris que c'est la voiture. Hein. I'm so afraid for new car, son. Auto-san. All alone in the street. Terrible disgrace to family if anything happened to new car on the first day. Suivre l'employé de Taiyomoto, trouver l'emplacement de sa voiture. Ah oui, il est parano parce qu'il a peur qu'on le suive. Ok. Le mec, il a un problème de matérialisme. Voilà. Sa voiture, c'est plus que tout au monde. Hein. S'il avait le choix entre sa femme et sa voiture, on saurait qu'est-ce qu'il choisirait. Je dis ça, il a peut-être même pas de femme, le pauvre. Ah, c'est bien, il a passé au piéton et on l'a laissé passer. Bon, c'est pas surtout pas parce qu'il y a un embouteillage. Mais...
Oui, il est très mécanophile, comme vous pouvez le voir. Il était en train de faire. Oh putain! Oh, cette voiture! Oh, le poche échappement! Oh là là, son petit pot d'échappement. Qu'est-ce que je voudrais mettre quelque chose dedans? Attends, je vais un peu lire dans ses pensées en même temps. I should work later. Ouais, bon, ça va, il n'y a rien de drôle. I cannot afford a coed girlfriend, son. Ah bah si, il a une petite amie. Bleeding me dry with a constant shopping sprees at higher. Hello Kitty. Oh, elle est pas mal. Hello Kitty à la place de Hello Kitty. Mais bon, après, c'est encore les femmes qui font. Qui font les shopping, hein. Voilà. Putain, par contre, plus avoir de. Y'a personne dans les parages? Putain, mais il faut que je prenne un nouveau costume. Y'a personne dans les parages. Voilà, vite. Voilà, pendant que tout le monde danse. Voilà, voilà. Bon, j'aurais pu le mec avec son pull bizarroïde dégueulasse. Ah, détruire la voiture toute neuve de l'employé de Tayomoto. Maintenant, hop là. Maintenant que je peux partir de la voiture. Enfin, hop là, la didoudou. Allez, on va la laver. Voilà. Oh, oui. Ah, ouais. Oh, le mec, il a pris une photo de la voiture qui était en train de couler, je crois. Tayomoto est à journée du personnel. L'employé 24... Oh putain. 24836 a perdu un véhicule à Tayomoto. Recommandation. Un an de mise à l'épreuve. Oh, c'est sévère. Oh, c'est sévère. Désolé, mec. Je me sens un peu mal d'un coup. En même temps, ça lui fera du bien. Ça va peut-être le recentrer sur lui-même. À lui faire penser à autre chose que sa voiture. À un moment, voilà, le matérialisme. Voilà, là, je suis fait écraser. Bah voilà, et voilà. Ils savent pas conduire aussi au Japon. On n'est pas vraiment au Japon, on est à Tokushima. Ils savent pas ça conduire à Tokushima. Bon, bah voilà, bah écoutez, mettez un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Et moi, je pense que je vais aller faire quelques petites... faire quelques petites quêtes, quelques petites statues de Arc Voodoo quand même. Parce qu'il y a un moment, il faut faire ça. Voilà, bon. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est Kratos. Appuyez sur la cloche aussi pour rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de parler, papoter ou dire si vous avez eu tout bon aux questions du Ninja Blanc sur questions pour un furon. Je serais quand même assez curieux de savoir s'il y en a qui ont bien répondu. Voilà, allez, salut tout le monde et portez-vous bien. Attendez, juste on ramasse ça et on se dit au revoir. Voilà, salut tout le monde et portez-vous bien.